tous, aujourd'hui je vous avais prévu un épisode plutôt sympa, partir sur du tout terrain avec le camion, rencontrer un pompier et malheureusement tout se passe pas comme prévu, on est tombé en panne et une panne assez particulière, donc là on doit essayer de tout réparer. Je pense que ça vient de ça, c'est pire ça. Bon les mecs, 6 tonnes. Là on est à 11 tonnes. Tu vois à droite. Oh putain, je fais pas d'un coup. Oh merde. Oh là là. Tu pourras me remercier d'être passé par là. C'est bien compliqué. Il passe à gauche, il tourne. Le camion retrouve des frères à lui. Si j'ai conduit mon camion jusqu'à ses frères, c'est parce que j'ai besoin d'une formation de conduite. J'ai beau réaliser des reportages sur les routiers, je manque encore d'expérience pour conduire ce genre d'engin. Alors, quoi de mieux que les pompiers de mon village pour m'apprendre à maîtriser la bête avant de traverser l'Afrique? Ma formation tout-terrain peut commencer. J'ai pas le pied sur l'embrayage, je le laisse faire là maintenant. Là, je suis en petite vitesse, tranquille. Là, j'y donne un peu d'accélération pour reprendre la piste. On s'enfonce rapidement ou pas? On peut s'en... On peut s'enfoncer. Ouais, c'est ça. Regardez, là, je suis en deuxième. Je donne... voilà, je l'accélère un peu. Regardez, il va monter tout seul, le machin. Ouais. Voilà, c'est... Et vous n'entendez pas un bruit suspect? Non, rien du tout. Là, il travaille normal. Là, une fois que j'ai passé mon obstacle, j'arrête, j'enlève mon pont et puis ma petite vitesse. Bah super. En tout cas, merci beaucoup de m'expliquer tout ça parce que au début, j'avais un peu peur vu que je connaissais pas du tout ce véhicule. Non, mais c'est du bon véhicule. Ce qu'il y a, voilà, faut y aller, faut travailler doucement avec. Quand j'ai acheté mon CCF, camion citerne feu de forêt, la pompe m'a intrigué car ça a toujours été mon rêve de me servir d'une lance à incendie. Même si je vais retirer la citerne pour mettre une cellule aménagée, je voulais apprendre à me servir de celle-ci. Dans quelques semaines, je vais la retirer pour restaurer le châssis du camion et faire son entretien. Si vous habitez en Normandie et qu'une citerne vous intéresse pour vos champs, vos bestiaux, n'hésitez pas à me contacter. Lors de cette journée, j'ai la chance de monter à bord d'un CCR, camion citerne rural de dernière génération. Et croyez-moi, il y a une petite différence avec le mien. En boîte manuelle, par contre, ma petite vitesse, tout ça, c'est ici. Vous voyez ? Ouais, c'est le même bouton. Je passe là-bas, ouais, entre deux, ouais. Vous voyez ? Bon, là, je suis en route normale. Ah oui, vous avez pas de clé, c'est... Ah si, c'est une clé, mais elle est fixe. Elle est fixe, ok. Je vais faire demi-tour là. Bon, là, je suis en route normale, hein. Je suis sur le machin, c'est pareil comme j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je le regardez. Ah oui, il va tout seul. Je le laisse faire. Et c'est comme votre véhicule. Ah, j'adore. Bon, on sent quand même la différence. Rien. T'as quel âge ce camion? Il a 4 ans. Ah oui. Ça monte vraiment bien. On a l'impression qu'il ça fait même plus beau que celui-là. Déjà on est plus long, plus, ouais. Et vous avez vu qu'on a monté... Puis la cabine c'est quand même un sacré confort là. Et si vous avez le choix de partir en Afrique, vous prendrez lui, le nouveau ou l'ancien? Ah non, je partirai avec l'ancien. Avec l'ancien. Ouais, ouais. Non, ça me rassure. Je dois avoir un tronçon. Un médium, c'est un Renault médium. Un 270 celui-là. Il y a une différence de confort. Hein. 270 chevaux celui-là. 270 chevaux, ok. Oh, bah, merci de m'avoir montré. Au contraire. Hein, ça, vous voyez la différence. Et puis, mais quoi, ceux-là, ils sont bien aussi. Hein, nous, on aimait bien. Hein, je vous dire franchement. Un hein, Toyo, t'aimais bien ça. C'est vrai. Hein, c'est. Faudrait essayer d'arriver vers les 10 tonnes pour être bien. Bah, même moins. Le... Ouais. Ça va être plus facile pour le franchissement de toute façon, plus je suis en Afrique, là-bas, il va souffrir. Hein. Il va souffrir. Bah, l'engin, et puis vous aussi, je pense.
Parce qu'une journée avec, vous allez voir, ça dépend des pistes qu'il va y avoir, mais ouais, bon. Non, c'est bien, mais ça va être amusant, ça va être le challenge. Ah ouais, non, mais... Un autre pompier et passionné de mécanique me partage ses conseils et astuces pour l'entretien de mon véhicule. Bi veut voir notre moteur et je n'ai jamais levé la cabine, c'est donc l'occasion de le faire avec des connaisseurs. Finalement, le système manuel de mon vieux Renault de 1989 est plus compliqué que prévu. Non, vas-y, là faut pousser, lève, voilà, là dès qu'on est là, on fait ça, et ensuite on lève. On finit d'entrer. Je sais pas, y a rien qui risque à l'intérieur. Hein. Non, y a rien. Oh, allez. Oh la vache. Attends, parce que je suis pas tué. Attends. Avec Bi et nos partenaires en Afrique, nous aurons beaucoup de mal pour lever la cabine. Nous devons trouver une solution pour faciliter cette manœuvre. Ah, c'est le vérin qui était grippé. Et là voilà, là cette barre-là, on la verrouille. Voilà, maintenant c'est marrant de voir tout ça. Donc en fin de compte, vous déverrouillez dans un premier coup, vous le levez jusqu'au crochet, puis après vous déverrouillez complètement. Mais c'est vrai qu'à deux avec Bi, tu m'as enchaîné. Ah bah oui, à deux. Ça pareil. Tu vois les petits tuyaux comme ça, c'est tes retours de gasoil, tu sais. Et ça, si ça fuit, bah, ça te fait une panne. Ouais, ça vaut rien. Tu vois, et puis ils sont un peu secs peut-être. Pareil. Un relais de démarreur, ça. Un relais de démarreur, regarde tes câbles. Ouais, regarde tes câbles. Ouais. En 13, c'est un relais de démarreur. Une pompe à graisse, il faudrait que tu les fasses. Bah, il faut que je graisse tout là. Ouais. Ils ont un peu séché aussi. Ouais. C'est pour ça que je te dis, des fois, c'est pas mal d'en avoir d'avance. Ok, ça c'est bon. Ouais, ça c'est simple. C'est prêt ? Ouais. Ah, mais la fin, faut. Attention ! C'est lourd quand même. Ouais, après, ils ont fait. Non, t'as une vitesse, il a calé. Non, mais elle est pas là. Touche. Bien, plus qu'on aille. En fait, là, on a plus du tout de direction. Regarde. En plus, on a bloqué un petit vitesse, merde. T'as vu, c'est bizarre, hein. Bah, on va voir. On peut pas démarrer. Hop. On doit rebasculer la cabine et essayer de remettre le système. Ça va être un peu compliqué, là. Parce que du coup, je crois qu'on a mélangé la boîte de vitesse. Ah, là, j'ai presque. Ah non, j'ai pas de vitesse là. Faut arriver, toi, regarde ton bleu, je pense. Tout à l'heure, on le voyait pas, c'est bien. Raccorder bleu. Premier problème en camion. Bon, je suis désolé, on vous avait prévu une super vidéo avec du franchissement tout terrain, etc. Et finalement, ça sera pour une prochaine fois. Parce que c'est ça, l'aventure en camion, on peut pas tout contrôler. En basculant la cabine, j'étais loin de m'imaginer que notre première mésaventure commencerait sur le sol français. Mais heureusement, nous sommes bien entourés. Rappelez-vous, quand mes cardans ont cassé au Laos, que ma galerie de toit s'est décrochée au Népal, que mon moteur a explosé en Inde et quand le radiateur a fait des siennes en Iran. C'était des situations bien complexes, mais nous avons toujours trouvé une solution. Alors, avec ce camion, nous devons apprendre à être plus débrouillards. Ah, y'a toujours rien. Non. Toujours rien? Bah, elle se met, mais elle s'enlève par moment. Tu sens qu'elle relâche aussitôt. Quand t'as pris, t'as deux, ils vont avoir du mal. C'est bon. Il faut emboîter pour moi, tu dois. Non, je crois que j'ai toujours un très bleu. Ah non, il est au point mort. Ouais, c'est ça. Quoi. Tout le temps est au point mort. Voilà. Tout le temps au point mort. Parce qu'apparemment, il y a un gars qui lui avait dit que c'était en première. Pompier mécano. Pompier mécano. Tu pensais que c'était ça la journée. Ouais, c'est ça. C'était prévu. Ah oui, c'était dans ta formation. La mer intérieure. Ah oui, c'est vrai. Attends, parce qu'il y a le ressort qui est bloqué derrière. Il y a la mer intérieure. J'ai mis un peu d'accent. Moi, je prends. Allez, hop, vas-y, lâche. On n'a plus de première, de plateau du haut. On n'a plus rien. On n'a plus rien là. Mais pourquoi vous l'avez démonté? Bah non, il voulait voir pour lever la cabine, mais. Et là, c'est GG qui l'a déréglé ça. Bon, attends, on va relever la cabine. On relève? Bon, on va relever. Hein. Il va nous montrer, on va voir s'il a perdu. T'as pas une goupille? Tu peux. Déjà, c'est mon vieux. C'est qui est devant là?
dégrippant, on va jouer avec le dégrippant, on va essayer de le dégripper. Allez, bon là, Tony, là, non. Ça bouge un truc dessus. Voilà, non, bah dis, t'es dans le canapé là. Vas-y, devant, derrière. Non, garde. Spend money like I just got paid. $100 bills, I don't keep change. Come on. Purple bottle about to make it rain. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. I just feel so good. Après plusieurs heures, un mécano poids lourd est venu étudier notre problème sur la barre de vitesse. Nous avons besoin de savoir si celle-ci est définitivement cassée. C'est là que ça saute. C'est certain que c'est là que ça saute. On a nettoyé. J'ai ouais, j'ai vu. Je vois ça. J'ai tournevis, dégrippant et une pince multiprise, si tu veux. Si on n'arrive pas à la raccrocher, la pièce est morte là. Et parce qu'en fait, quand on l'a poussé la première fois, on a eu du mal. Et la cabine n'avait pas été levée depuis un certain temps. Donc quand on a poussé, on a un peu forcé. Et tu pars faire le tour du monde avec ça? Ouais. L'Afrique. Du moins l'Afrique. Oui, non, mais oui. On traverse l'Afrique au début. Ouais, ouais. T'as confiance en Renault. Il ne veut pas se crocher. Ah là là, les soucis de camion. Ouais. C'est plus lourd qu'un 4x4. Personne viendra t'aider. Tu mets ton levier et tu perces. Et ouais, on m'a dit de mettre un. Voilà. Mais le souci, c'est que dès que tu lèves la cabine, n'oublie pas d'enlever l'axe. Ouais, sinon peut-être. Ah bah autrement tu casses tout. Là, si tu perds, c'est que tu mets un boulon, ton levier va plus bouger. Il s'écarte, c'est parce que juste pour lever la cabine. Il nous a partagé l'un de ses conseils, bloquer la barre en question avec une vis. Non, mais je vais faire ça. Pour nous sortir de là, mon père est venu nous apporter une perceuse, un outil indispensable que j'ignorais en Afrique. Alors qu'est-ce qui va pas? C'est ça en fait. On a levé la cabine, on a pété la boîte de vitesse. Hein? On a levé la cabine, on a pété la barre de vitesse. La barre du balbérin qui repart. Ah super, ça c'est bien. C'est nickel. Oui, mais ça peut-être pas aller les vis. Il en faut combien? Peut-être une seule. C'est juste pour maintenir en fait, il nous disait. Tu m'as pris des mèches bizarres. Hein. Oui, mais non, ça va aller les mèches. Et c'est où qu'ils vont percer? Là. Ça prend de sa sandaille. Ouais, parce qu'en fait, quand on fait la boîte... Ah, moi qui pensais vadrouiller sur des terrains non aménagés avec Cyprien, pompier, afin de pratiquer la conduite tout terrain, je me retrouve à percer mon bahut sous une forte chaleur. Mais après tout, c'est peut-être ça ma formation pour l'Afrique. J'ai le boulon dedans pour voir. Hop, c'est bon. Ah. Tiens-le derrière pour qu'il repart. Non, c'est bouillant. Une casse ou... Bon, je vais passer les vitesses, on va voir. Donc là, on va vérifier si maintenant ça marche. Attends, je vais toutes les passer, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Yes, c'est bon, on est reparti. Merci. Je remercie les pompiers de Pont-l'Évêque de m'avoir accueilli et surtout de m'avoir appris un tas de choses sur ce véhicule, car ça va me servir dans les situations les plus extrêmes. Et à Cyprien et ses collègues de m'avoir aidé à réparer le camion. On se retrouve jeudi prochain pour une vidéo très spéciale. Nous organisons un jeu concours sur l'aménagement intérieur du véhicule. Et Bi a un tas de choses à vous faire gagner. Bonne route à tous et relax.